cette vidéo. Premièrement, le chapeau, donc le plus gros indice. Là, déjà, il y a marqué distillerie artisanale, Marguet Chapreux. Donc oui, on va faire une vidéo sur de l'absinthe, mais pas que. Hein. Et autre petit détail, nous avons le masque. Pourquoi un masque? Tout simplement parce que nous allons accueillir Stéphane Marguet. Bonjour, bonjour Oscar et Félix. Bonjour. Je vous ai amené un autre calendrier de l'Avent. Ok, bah, il est très joli. Qui est un peu différent des autres parce que celui-là, il est vide. Ah, il est vide. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu et vous allez le remplir de produits de la distillerie et des chocolats. De l'absinthe, tout ça là. Ouais, de l'absinthe, et des chocolats. Montarlier et des chocolats. Des chocolats. De chez Fat. Un magnifique calendrier de l'Avent. C'est bon, on a mis tous les produits sur la table, que ce soit chocolat ou bouteille, hein, donc on a tout sur la table. Il y a plein de produits, mais c'est quoi vos produits? Eh ben, je vais tout vous expliquer, mais c'est surtout mon assistant qui va vous expliquer tout ça. Antonin. Alors, nous avons une gentiane, une absinthe verte, un pontarlier sucré, de la liqueur de sapin au miel de fleurs, de l'absinthe blanche, un pontarlier sans sucre, une liqueur de sapin au miel de sapin. Alors maintenant on va mettre dans le calendrier, comment on fait? Alors on va commencer par les bouteilles. Alors une bouteille, il faut la mettre dans un chiffre impair. Donc le 1, et bah il est ici, on le reporte ici et on pose la bouteille. Donc le 3. Donc après, ça sera le 3. Bon, bah, tous les papas qui nous regardent, en tout cas, ne ratez pas tous les numéros impairs. Liqueur de sapin au miel de fleurs. Mais je connais pas, ça, on fait comment? Eh bien là, on va chercher les bourgeons au mois de mai dans la forêt. Les bourgeons frais, c'est la pousse de l'année du sapin. Et puis ensuite, on les fait macérer, on obtient une liqueur de sapin. Et puis surtout, on y ajoute du miel de sapin ou du miel de fleurs pour donner ce côté sucré. On a mis toutes les bouteilles, on met les chocolats dans les autres cases. Exactement. Donc là, comme vous le voyez, on prend pas dedans pour les chocolats, étant donné qu'après les chocolats, ça va être pour nous. Mais pour faire tout, c'est des gosses. Mais... Voilà, votre calendrier est prêt. Ok, super. En tout cas, moi je trouve que c'est une super idée d'avoir mis des mignonnettes et des chocolats pour les parents et les enfants. Ça fait très familial. Et merci pour le calendrier. Et bien, merci à vous de nous avoir reçus et puis bonne dégustation durant les 24 jours. On va passer un bon Noël en famille au travers tous ces calendriers qu'on a vus depuis le début de la semaine. Donc, bon préparatif de Noël à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir à tous. Vive